Je vais maintenant passer la parole à Madame la directrice de la stratégie et des opérations du groupe indépendant d'évaluation de la Banque mondiale, Madame Sophie Sirten, en qualité d'acteur clé de développement et partenaire de l'événement. Madame la directrice va donc intervenir en ligne. C'est un réel plaisir d'être ici pour vous souhaiter la bienvenue à la conférence régionale sur l'évaluation d'impact de l'Afrique francophone et je tiens à remercier nos hôtes pour leur accueil ce matin. Mon nom est Sophie Sirten, je suis directrice de la stratégie des opérations au groupe d'évaluation indépendant de la Banque mondiale, AIG. AIG, nous avons un double rôle. D'une part, nous évaluons les résultats de la Banque mondiale et d'autre part, nous aidons les gouvernements du monde entier à mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation robustes. Objectif dans le cadre duquel nous avons d'ailleurs collaboré avec le CLIR d'Afrique francophone depuis près de 10 ans. Nous faisons ça parce que nous sommes convaincus que de tels systèmes sont essentiels, car ils permettent aux gouvernements d'évaluer l'efficacité de leurs décisions et de leurs programmes, de surveiller les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs nationaux et de corriger le tir au besoin. L'évaluation contribue aussi à la bonne gouvernance, à la transparence et à la reddition de comptes, ce qui, en fin de compte, contribue à de meilleurs résultats en matière de développement. Dans le monde d'aujourd'hui, où les gouvernements doivent faire face à diverses crises simultanées, c'est encore plus important. Comme l'a mentionné Mme Gardner, la crise du Covid-19 a en effet mis l'accent sur l'importance des données dans l'élaboration de politiques efficaces et sur le rôle crucial joué par les systèmes de suivi et d'évaluation pour suivre l'évolution de la situation, évaluer l'efficacité des politiques et programmes en cours et ainsi contribuer à une gestion de la crise plus effective. Il est clair que mieux reconstruire face aux crises nécessite de renforcer la capacité des gouvernements à collecter, analyser et utiliser les données probantes dans la prise de décision, et pour cela à institutionnaliser le suivi et l'évaluation dans les modèles de prise de décision publique. C'est galvanisé par cette nécessité d'améliorer la capacité d'évaluation à l'échelle mondiale, et centré sur la vision selon laquelle de meilleures données probantes contribuent à de meilleures politiques et en fin de compte à de meilleures vies, que AIG a récemment lancé avec divers partenaires, y compris le Centre CLIR d'Afrique francophone, 3IE et d'autres acteurs, l'Initiative mondiale de l'évaluation, The Global Evaluation Initiative, GEI. GEI est un partenariat mondial destiné à développer les systèmes et la capacité en suivi et en évaluation des pays émergents et des pays en voie de développement. Son travail s'articule autour de trois domaines d'intervention. La création de cadres nationaux de suivi et d'évaluation par le biais de services consultatifs techniques, soutenir le développement des capacités par le biais de programmes de formation et générer et partager des connaissances en matière de suivi et d'évaluation. L'initiative est axée sur la demande et espère contribuer au travail des gouvernements dans la reconstruction de sociétés plus résilientes et plus inclusives. Dans ce contexte, l'évaluation d'impact est un outil important que les gouvernements doivent avoir dans leur boîte à outils de suivi et d'évaluation. Les évaluations d'impact jouent un rôle important de responsabilisation pour déterminer si et dans quelle mesure un programme a fonctionné. Les évaluations d'impact jouent également un rôle d'apprentissage important, car elles peuvent aider à améliorer la conception de programmes ou à déterminer laquelle, parmi plusieurs alternatives possibles, est l'approche la plus efficace. Conjointement avec d'autres méthodes d'évaluation, elles permettent au gouvernement de mettre l'accent sur les programmes et les politiques où ils ont le plus d'impact et qui leur permettront de progresser le plus efficacement vers leurs objectifs nationaux de développement. Mais pour obtenir de meilleurs résultats, nous devons réfléchir davantage à la manière dont l'évaluation d'impact s'intègre dans l'écosystème plus large de planification, de suivi et d'évaluation d'un pays. En termes concrets, que voulons-nous dire quand nous parlons d'institutionnalisation de systèmes de suivi et d'évaluation? Prenons par exemple l'exemple d'une agence gouvernementale, le ministère de l'Éducation. Au plus haut niveau, il y aurait des champions de l'évaluation qui exigeraient et s'appuieraient sur des données probantes dans leur prise de décision. Ils exigeraient que soient effectuées des évaluations et des questions sur des questions et des programmes d'importance stratégique. Ils tiendraient leurs équipes responsables de l'obtention des résultats. Dans l'institution,
il y aurait des systèmes et des capacités internes maintenues sur le long terme pour commissionner, exécuter et utiliser les évaluations dans la prise de décision. Il y aurait également des garde-fous pour protéger les services de suivi et d'évaluation d'ingérence politique et de risques budgétaires. Et il y aurait des processus et des incitants pour créer une culture qui valorise l'apprentissage. Les outils et approches de planification seraient fondés sur des données probantes, intégrant des outils tels que les théories du changement et les cadres de résultats. Les pratiques de suivi et les tableaux de bord seraient élaborés, maintenus et utilisés. Et une gamme d'évaluations serait entreprise ou commissionnée, y compris des auto-évaluations de projets, des évaluations d'impact, de programmes et d'intervention, et des évaluations plus larges de programmes. Et c'est là le plus important, ces évaluations seraient discutées et utilisées comme input dans le choix de politiques à venir. Et bien sûr, elles seraient rendues publiques pour plus de transparence. Bien qu'il y ait eu d'énormes problèmes dans de nombreux pays de la région pour établir des systèmes de suivi d'évaluation efficaces et une culture de prise de décision fondée sur des données probantes, des lacunes doivent encore être comblées pour que les gouvernements de la région soient pleinement équipés pour réagir aux nombreuses crises auxquelles ils sont et seront malheureusement encore confrontés dans le futur. Pour y arriver, j'aimerais rendre écho aux paroles prononcées par Valier et d'autres orateurs et insister sur le fait que nous devons travailler ensemble vers cet objectif. Que nous soyons des commissionnaires, des utilisateurs d'évaluation au sein des gouvernements, des chercheurs en évaluation d'impact, des experts en évaluation ou des partenaires de développement impliqués dans le développement des capacités d'évaluation, nous avons tous un rôle à jouer dans l'institutionnalisation des systèmes de suivi et d'évaluation en Afrique francophone. Mon appel à vous tous qui participez à cette conférence est de réfléchir à la façon dont nous pouvons travailler ensemble, coordonner nos actions pour de meilleurs résultats, et ainsi contribuer à des systèmes de suivi et d'évaluation plus effectifs dans la région. Je suis convaincue que la conférence sera une expérience informative et engageante et vous souhaite encore une fois la bienvenue. Merci.